Et salut tout le monde, c'est Golden Dieu, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Allez, on est parti pour ce nouveau tutoriel. Donc on va commencer sans plus attendre cette belle petite bicoque. Donc, on va commencer par les fondations. Donc on va commencer par faire un petit tour du bord. Donc 1, 2, 3. Même chose de ce côté, 1, 2, 3 et on referme. 1, 2, 3, et pareil ici. Voilà. Une fois qu'on est là, 1, 2, 3, 4. Voilà. On part bien du troisième, hein, ici. Voilà. Et de ce côté, pareil. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ceci. Par contre, à ce niveau-là, on va rajouter 1 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Même chose de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de ce côté, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, on doit arriver pile poil en face. Et en fait, on doit devoir fermer pile poil comme ça. Voilà, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc une fois qu'on est là, on va mettre nos pylônes, donc de 2, comme ceci, ici, 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 et on, comme ceci, voilà, ici. Arrivé à ce niveau-là. On va attendez, alors fermer comme ça. Donc ici on peut déjà fermer comme ceci, ce sera comme ça. Voilà. Donc de ce côté pareil 1 2. À l'opposé aussi pareil 1 2. Au milieu pareil 1 2. Ensuite, on va faire la porte d'entrée. Donc pour la porte d'entrée 1 2 3 4 au cinquième on casse. Donc là on va hop. Oula, attendez. Oups. Hop là. Voilà. On va mettre notre porte ici. Alors, porte en fer, c'est mieux, je trouve, qu'une porte en bois. C'est plus moderne, on va dire. Donc ici, on va casser de chaque côté de la porte. On va monter de 2, comme ceci, avec la brique du Nether. Hop, juste de 2. Et ici, on va faire rejoindre, comme ceci. Ensuite, on va reboucher le haut comme ceci et ici on va y mettre pardon hop là ouais, voyez, je fais des bêtises, on va y mettre les vitres. Oh là là, faut que je me repose ici aussi et ici pareil. Voilà, une fois qu'on est ici aussi, là on peut boucher comme ça et rajouter les carreaux. Voilà, donc ensuite pour l'arrière on va donc à l'arrière de la maison, donc 1 donc 1, 2, 3, 4, on rajoute comme ceci. Hein. Ensuite, on va faire les deux. Donc en fait, on va 1, 2 comme ceci. Un ici et un ici. Voilà. Ensuite, on a tout simplement juste à reboucher. Hop. Comme ceci. Hop. Et hop. Et là aussi, on va rajouter de la glace, enfin la glace, les vitres on va dire. Ensuite pour le dernier plan de la façade, on va monter de 2 à chaque fois en faisant un espace de 2. Hop, voilà, pareil ici aussi on va boucher comme ça, voilà, mettre nos vitres comme ceci, super, voilà, nickel, nickel. Donc ici on va monter notre tour de 3 encore, donc 1, 2, 3, mais en laissant bien le milieu apparent, enfin sans rien, on va dire. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va remplir avec la brique du Nether. Hop. Voilà, on fait ça pour tous les côtés de la tour. Hop là. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, une fois qu'on est là, on va prendre nos escaliers, on va les placer comme ceci à l'envers.
Voilà, bien tout le long, comme ceci. Hop là. Voilà. On fait bien tout le tour. Et on vient bien en fait à chaque fois. Hop là, comme ceci, hein. Voilà. Ici, donc là où il y a le trou, on va bien sûr mettre une brique du Nether. Comme ceci. Ça va nous faire des trous en fait. C'est pour ça que c'est embêtant. Hop là. Même chose ici. Là aussi, on remplit le petit trou. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Non, ça va aller, on va y arriver. Hop. Ah là, raté. Hop. Et c'est bon. Voilà, là aussi, je remplis mon petit trou. Hop là. Donc, ensuite, on va casser chaque angle, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on est là, on va tout simplement au milieu, en fait, voilà, comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, comme ceci. On va mettre des demi-dalles ici. Ici. Et ici. Et l'autre côté, pareil. Hop là. Donc ensuite, on va enfin, fermer avec des demi-dalles, c'est-à-dire comme ceci. Donc déjà, on va commencer par faire tout le tour comme ça. Voilà. Pour commencer. Et à boucher l'intérieur. Hop. Voilà. Ensuite, on va agrandir petit à petit comme ça, vous voyez. Ça fait un carré. Ce carré, on va encore le ragrandir. Voilà. Comme ça. On vient bien jusqu'à là. Oups. Je fais des boulettes. Hop. On continue bien comme ça. On revient bien là. Faut que au niveau du trou, ça y soit. Voilà, comme ceci. On fait tout le tour. Voilà. On doit avoir normalement une tour. Comme ceci. Donc là, il n'y a pas beaucoup de relief. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore du relief. C'est-à-dire qu'on va prendre la brique du Nether. On va faire le tour. Comme ceci. Hop. On va remplir à chaque fois les creux. Comme ça. Tac. Pareil ici. Et ensuite, on va prendre des demi-dalles. Et on va les mettre devant. Comme ceci. Et ça va donner un aspect plus joli à notre tour. Tout de suite, vous allez voir que ça a plus de gueule. On peut dire ça comme ça. Donc pour terminer la tour, on va poser des barrières comme ceci. Voilà. Faut que ça fasse un angle droit en haut. Et on va le faire descendre jusqu'au sol. Voilà, ça doit tomber pile poil dans le creux. Là. Pareil de l'autre côté. On vient jusqu'en bas. Et on rajoute bien de chaque côté ici pour que ce soit un petit peu plus joli. Pareil de ce côté-ci. Là 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 là. J'arrive pas, j'ai du mal. Hop là. Voilà. Et pour ce côté-là, malheureusement, pour le moment, on va pas y toucher. Puisqu'en fait, la maison, enfin, le reste du bâtiment va monter en hauteur. Donc déjà, on peut commencer sur le bâtiment à faire grimper de 1 tout le. Avec la quartz. Augmenter de 1 cube la hauteur du bâtiment. Comme ceci. Voilà. On rebouge tout. Tac, 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 tac. Superbe. Hop, il commence à faire nuit. On va remettre le jour. Hop là. Hop, 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 hop. Il y a un trou, c'est magnifique. Donc, à l'endroit du trou, tout simplement, on. Attendez, c'est où? C'est là. On casse et on bouche avec un bloc de quartz, en fait. Là, vous allez voir, c'est pareil. Vous voyez, j'enlève ma marche et je mets un bloc de quartz tout de suite, ça. Rend mieux. Donc ensuite, tout de suite, on va prendre des demi-dalles de quartz. Hop là. Et on va les positionner comme ceci, vous voyez, tout autour de la maison. Alors, voilà, en faisant bien les angles. Tac. Comme ceci. Hop, vous voyez. Pareil de ce côté, on fait tout le tour en fait. Toc. Hop, 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 hop. J'adore dire hop. Tac. Pareil ici. Et voilà. Oups. Si, c'est bon, non? Ah oui, non. Voilà, il en manque un là. Je me disais aussi. Voilà. Donc une fois qu'on est là, déjà on va commencer par boucher le toit. Voilà. Donc c'est-à-dire que hop, tout simplement, on va reboucher. Alors là, ça ce sera de vous de là
D'en haut, on le verra pas trop, mais enfin, si, faites-le avec la quartz, si, si. Parce qu'après, on va faire un relief avec la brique du Nether. Rebouchez bien avec la quartz, le bloc de quartz. Hop, 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 je rebouche les toits. J'adore ça. C'est la chose la plus intéressante sur Minecraft. Je crois que c'est le truc le plus chiant. Hop! Tac! Ça, c'est fait. Ah, donc déjà, le bâtiment commence à prendre un petit peu plus de gueule, si je puis dire. Donc ensuite, on va prendre notre, comme je vous ai dit, la brique du Nether. Et d'ici, on va partir comme ceci, dessous, là, vous voyez, là. On va venir jusqu'ici, comme ça. Et on va laisser, on va faire le tour comme ça en laissant un. Vous voyez, rad. On laisse toujours un de libre. On fait le tour comme ça sur le toit. Donc là aussi, on en laisse un de libre. Là aussi, un de libre. Et on fait le tour comme ça. Voilà. Idem ici. Par contre, vous voyez, après, on vient fermer comme cela. Vous voyez. Ensuite, on bouche. Et notre toit sera terminé. Parce que c'est un toit qui va être plat. C'est la mode. C'est le moderne. On est fou, on y va. Allez. On y est presque. Oui, le tour est terminé. Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc là, on va s'attaquer à la suite. Là. Donc ensuite, on va faire descendre des piliers comme ceci. Pareil. Pour mettre du relief. Hop là. Pas ici. Ici, oui. Hop. Sur tous les angles de la maison. Comme ceci. Hop là. Et en fait, voilà, je vais finir le tour de la maison. Là aussi, pareil, on a dit. Voilà. Et en fait, on va ensuite, au-dessus de chaque fenêtre, rajouter des barrières. Comme ça. Au-dessus de toutes les fenêtres de la maison. Là ici, là aussi, là aussi. Voilà. Oups. Pareil ici. Pareil là. Pareil ici. Pareil là. Pareil ici. Voilà. Donc pour ce qui est de la porte, on peut. Merde. On peut prolonger comme ceci. Oui, ou bien casser celui-là. Voilà. On peut laisser comme ça pour l'entrée, c'est peut-être plus joli. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va commencer par là. En fait, on va creuser le sol comme ceci. Hop. Pareil, on en sent un à chaque fois. Hop. Et on va en fait, tout simplement, vous l'aurez compris, mettre de la quartz. C'est quand même plus joli. Surtout pour les piliers qui descendent là. Et vous aurez compris qu'on va faire la même chose autour de la maison. Donc on va faire pareil autour de la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2 ici. On va venir jusqu'à là. Voilà. Et on va tout débroussailler. Donc en fait, quand je dis on vient jusqu'à là, on vient comme si on allait continuer autour de la maison. Là. Voilà. Là, allez, hop. Là, on va y mettre pareil de la quartz, mais on rajoutera une petite fresque, je sais pas comment on appelle ça, une petite mosaïque par terre qui rendra tout de suite un aspect plus joli et décoratif à la maison. Après, c'est vraiment. Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Si vous avez envie de décorer votre maison autrement, ou faire ce tutoriel, mais avec deux autres matériaux différents, à vous de voir, hein. Vous pouvez le faire en bois et, je sais pas moi, en stone. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce que ça va rendre, mais vous pouvez essayer. Donc là, pareil, on tourne autour et on bouche tout. Tac, tac, tac et tac. Donc, c'est quand même une maison, celle-là, que. Elle sera plus facilement en créatif qu'en survie, mais en survie elle se fait, c'est juste au niveau de la ressource que ça va être un petit peu chaud. Puis bon, la quartz c'est pas non plus une. Tu me diras dans le Nether, il y en a pas mal, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'aller la miner. Voilà. Une fois ici, on va s'attaquer à devant. Donc pour devant, on va faire dans la continuité du porche. Donc en fait, on va arriver ici. 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. Donc on va boucher. 1, 2, 3, 4 et 5. Arriver ici. 1, 2. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir jusqu'ici. Voilà, faire une sorte de petit U. Tout simplement. Allez, on va faire la même chose de ce côté-là.
Hop. Comme ceci. Voilà. Tout de suite, ça donne un aspect un petit peu plus joli à la maison. Alors, après, on peut aussi, je sais pas, j'ai pas essayé, mais faire finir le contour en. Alors, on va le faire, hein. On est parti. Tout finir en fait en. Avec de la brique du Nether autour de la quartz, ce sera peut-être, qui sait, plus joli. Alors, au passage, je tenais à vous dire, donc par rapport à. Ça n'a rien à voir avec le tutoriel là, mais je vous en parle pendant que je fais ça. L'aventure survie Minecraft, donc on avait tourné les 7 premiers épisodes, donc là on est le troisième, fut un temps. On les a tous tournés d'un coup quasiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, on a eu un problème avec le serveur, c'est-à-dire qu'on a arrêté le serveur sur lequel on était. Puis c'était notre serveur avec des amis à nous. Et malheureusement, on a racheté un serveur, bien sûr, mais on n'a plus le. Attendez, je fais des bêtises. Hop, voilà, c'est bon. Ah, on n'a plus le serveur. Donc on a dû recommencer sur un nouveau serveur. Et donc forcément, pour refaire une base, parce que vous n'êtes pas à l'épisode 7, mais vous verrez que dans l'épisode 7, on a déjà trouvé quand même, comme vous expliquiez, la base où s'établir. Et du coup, on a été obligé de retrouver le biome dans lequel on s'était mis et de reconstruire à l'à peu près ce qu'on avait déjà fait. Donc on n'a vraiment pas triché sur ce point-là, puisqu'on a repris les ressources que nous avions de base. Et on les a gardées, on les a remises dans nos coffres. Pour que du coup vous ayez l'impression, enfin, ça va juste, le décor va juste changer un peu. On n'a peut-être pas fait une maison exactement comme au détail près de celle qu'on avait fait avant, mais ça reste vraiment dans la même optique. Alors, est-ce que c'est pas beau là? Est-ce que c'est pas amazing? Ah si, franchement, c'est joli. Hein. Ah, je kiffe. J'aime beaucoup. Alors après, on peut même peut-être, je sais pas, ça a l'air joli de faire ça. Je vais essayer. J'essaye, hein. J'essaye plein de trucs. Alors, vous voyez, par exemple, vous voyez, là, c'était vraiment pas prévu ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau qui m'a l'air pas mal. Comme si on allait faire une petite terrasse devant pour que ça fasse vraiment bien rectangulaire devant. Hop. Donc là, on remplit avec la quartz. Franchement, je ne devais pas faire ça. Voilà. Et ensuite, je ferme avec la brique du Nether. Je vais voir ce que ça donne. Ça peut-être être joli, qui sait. Ou peut-être ça va pas l'être du tout. Du coup, on s'arrêtera là parce qu'on va arrêter le massacre sinon. Donc là, pareil, je continue avec la brique. Hop. Et on ferme ici. Ah, si, si, c'est joli, hein. On peut pas se mentir là, c'est magnifique. Moi, je trouve ça super beau. Comment on pourrait faire même? On pourrait faire comment? Faire dans la continuité ici, peut-être? Hop. Un chemin comme ça. Ah ouais. Ah oui, c'est joli, hein. C'est super beau. Ah si. Ça, moi j'adore. Franchement, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Peut-être même continuer de 1, peut-être. Ce serait pas mal. Voilà. Ah ouais. Là, on est sur quelque chose de beau. Voilà. Alors, pour l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais le faire avec vous si vous voulez, mais moi ce que j'aimais bien c'est tout simplement. Donc là on est sur de la quartz, donc on va continuer. Et on va pas faire un damier en fait, on va faire des. Comme j'appelle ça zébré. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire un chaque à chaque fois en ligne. Là du coup on met de la quartz. Hop. Ensuite, bon, on va continuer sur la quartz. Pareil ici. Pareil ici. La même chose de ce côté-là. Alors, tac. Hop. Et comme ça, c'est quand même plus joli que laisser la terre. On va pas se mentir. Et là, pareil, bon, on remplit tout simplement ce qui nous reste avec la brique. Oh, c'est pas vrai, du Nether. Hop, hop, hop. Là aussi. Et tout de suite, vous allez voir que cette maison va être vite, 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 vite finie. Et que moi je la trouve plutôt belle, hein. On va pas se mentir. J'aime ce que j'ai fait. Tac. Et voilà. Voilà. Donc on se laisse là-dessus sur une maison qui était de base
pareil, mais qui devait s'arrêter comme ça. Et en fait, vous voyez, j'ai rajouté ça. Et tout de suite, je trouve que ça fait plus joli. Même, vous voyez, après, vous pouvez rajouter de la végétation autour. Enfin, faire quelque chose de joli, un beau petit jardin. Moi, je vous dis à très, très, très vite. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Merci, 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 et encore merci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.